Plutôt bonjour à tous et à toutes. Suite de la première vidéo, on est toujours le jeudi 19 mars 2020. Et pour vous montrer un petit peu comment... C'est fou parce que les Chinois, il n'y a pas longtemps, encore quelques jours, ça pataugeait dans le riz. Bah, c'est une façon de parler, excusez-moi, dans la semoule. Et puis là, maintenant, bing, ils nous sortent des masques, en veux-tu, en voilà. En France, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Les camions, les fourgons, ils sont braqués. Ils ne transportent pas de l'argent. Ils transportent des masques. On leur a dit ça il y a quelques années en arrière, pas mal d'années en arrière. On dit, bah, attends, ton fourgon blindé, c'est quoi? Bah, c'est des masques. Non, c'est pas vrai. Si, c'est le braquage du siècle. Il y a 3 tonnes de masques. De masques. Je m'en étouffe. Mais c'est une folie. Oui, parce que la formule est simple. La misère des uns fait le bonheur des autres. Et ce qui a fait la misère des uns il y a quelques temps en arrière, il y a si peu de temps, a fait le bonheur des autres quelque part. On ne sait pas jusqu'où que ça peut aller dans l'économie de marché. Et maintenant, c'est le bonheur des uns qui fait le malheur des autres. Parce qu'ils font concurrence au marché intérieur des masques de notre pays. Voilà, vous les 20 masques garantis, hein, puisqu'ils sont passés en premier dans cette misère du virus. Donc ils sont bien capables de faire des masques qui sont... Faut espérer étanches. Je veux dire une grosse plaisanterie. Faut pas m'en vouloir. Je suis comme ça. Ils n'ont pas le nez fait comme nous. Non. Quand vous regardez de face, c'est pas les mêmes yeux que nous. Ou plutôt, on n'a pas le même nez qu'eux et pas les mêmes yeux qu'eux. Il faut renverser dans les deux sens. On est différent, si vous voulez. Alors ça fait que le masque, est-ce qu'il va bien prendre la forme de notre nez? Bah, les Gaulois, nous, on a des gros nez, hein. Ils sont costauds, hein. Bah, une formule, mais enfin, je ne vais pas la dire. Mais il y a des gros nez, voilà. Il y a des gros nez. Donc, il faut que le masque il rentre là-dedans. Non, pas dans le nez, il faut que le nez rentre dans le masque. 8,99 €. 8,99 $, qu'est-ce que je raconte, moi? 100 $, oui. Je n'ai pas cliqué sur le lien. Hein. Et ensuite, vous avez l'appareil qui, lui, il n'existait pas auparavant. Les Chinois, ils ont une possibilité de réaction, des capacités de réaction exemplaires. C'est-à-dire que pour vendre, ils ont une énergie cérébrale de recherche de trouver ce qui manque ailleurs, dans le monde. La Chine s'ouvre au monde. Elle ne s'ouvre pas qu'à la Chine. Nous, la France, elle s'ouvre à la France. Mais elle s'ouvre difficilement au reste du monde. C'est pour ça qu'on patine aussi, nous, dans la choucroute. Alors, ils nous sortent l'appareil, là, 900 watts, boum, en plus, un stérilisateur. Je sais pas, c'est marqué infrarouge, stérilisation, double, à un prix défiant toute concurrence. Est-ce que c'est efficace? On n'en sait rien. Mais dans la panique générale, on va dire que les personnes sont tellement angoissées qu'elles prendraient de tout n'importe quoi. Attention, je fais une parenthèse. C'est que les transports sont bloqués. Il reste la TNT, pour l'instant. La Poste, par Colissimo. Et pas d'objets dangereux. Il y en a 4, je crois, les transporteurs, qui sont encore viables. Surtout la Poste. Sorti de là, il n'y a rien. Alors attention, la Poste, c'est pareil, c'est comme tous les transporteurs. S'il y a un chauffeur qui est malade, bah, pour le remplacer, c'est la croix à la bannière. Parce que la personne doit connaître la tournée. La tournée, ça s'appelle une tournée par cœur. Adresser le paquet ou l'adresse, enfin le courrier à la bonne personne, à la bonne boîte aux lettres. C'est un métier. On ne peut pas remplacer du jour au lendemain, comme ça, en dire un claquement de doigts, bah tiens, lui, toi, tu vas apprendre tout ça. Non, c'est pas possible. Il va y avoir des erreurs. Ensuite, vous avez le masque ici, noir. Vous m'excuserez, hein. C'est une vidéo complètement farfelue,
Mais quand même révélatrice. Vous avez ce machin-là, c'est pour mieux respirer. Et ce machin-là, c'est pour que mieux ça coule. Vous avez ce machin-là pour détecter la température. Si vous avez 57 degrés, c'est pas normal. Donc il faut se faire soigner. Pas du paracétamol, mais il n'y en a plus. Bah, il y en a dans quelques pharmacies, pas dans d'autres. Donc ça dépend. Ensuite, vous avez pour l'eau, la manucure. Bah oui, vous avez les ongles, ils sont pas normaux avec le virus. Donc manucure. Et le reste, c'est commun, hein. C'est suivant ce que vous désirez dans les sites chinois, ce qui vous plaît. Ils vont cibler avec les cookies ce qui vous intéresse et vous envoyer vraiment ce qui vous intéresse. C'est marchand, c'est commerçant, c'est chinois. Nous, on ne peut pas concurrencer, c'est pas possible. Eux ont les idées et les moyens. Nous, on a les idées, mais pas les moyens. Et surtout, on ne se donne pas les moyens de nos idées. Ah, c'est difficile, hein? Même un jeu d'échecs, allez-y comprendre. Mais bien sûr, ils tombent sur quelqu'un qui a besoin d'un jeu d'échecs. Et on est en pleine pandémie, on est enfermé, on a besoin de passer le temps. Les bouquins, il y en a ras-le-bol, on louche à force. Eh ben, on va prendre un jeu d'échecs, on va jouer, on ne sait pas jouer aux échecs. On déplace les pions, et puis voilà. Mais ils y ont pensé à ça. Même que les pions, ils sont beaux. Même ceux qui ne savent pas jouer aux échecs, ils vont jouer avec. Tellement c'est bien fait. Bah bien sûr. Le drone, le multirotor pour l'intérieur, vous cassez le vent, c'est pas grave, il sera remplacé le lendemain. Et puis tout ce qui s'ensuit. Et toujours l'éternel téléphone, smartphone, bien entendu, dans la panoplie. Les jumelles, c'est fait pour regarder ce qui se passe en face, parce que vous êtes en vis-à-vis. L'autre personne, elle se trouve à 50 mètres. Vous avez une jumelle qui grossit 100 fois. Pouf! Ah ben là, vous avez carrément un relief technicolore et en 3D. Et j'en dirai pas plus. Ça, non. Non, ça, c'est pas possible. Il faut être dehors. Et le microscope, bien sûr, pour trouver le virus. Mais le microscope, lui, il ne trouvera pas le virus. C'est vous qui trouverez le virus, pas lui. Voilà, le sac à dos avec, je sais pas quoi. C'est marqué en anglais, moi je connais pas l'anglais, pas trop. Les termes techniques, comme toujours. Je vous remercie. Je vous remercie de votre tolérance par rapport à cette vidéo qui sert que juste être mise sur YouTube, comme parmi d'autres vidéos, des millions et des millions de vidéos qui servent à rien. Et bien considérez cette vidéo comme elle sert à rien. Voilà, c'est tout. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.